Allez, salut les amis, c'est Ami Négociateur, j'espère que vous allez bien. Petite redite là sur le PIB. Le PIB, les amis. Regarde un petit peu, tu vas tomber de ta chaise. Alors, c'est un article qui date de 2021, mais c'est une loi qui date de 2018. L'Institut statistique communautaire européen Eurostat a demandé l'an dernier aux États membres de l'Union européenne de prendre en compte, attention, tu vas tomber de ta chaise, de prendre en compte les activités illicites dans le calcul de leur produit intérieur brut, donc dans le PIB. Il considère en effet que ces activités créent de la richesse dans ces pays. Donc en fait, je te la fais courte, en France, le trafic de drogue et la prostitution sont comptabilisés dans le PIB, le produit intérieur brut français. C'est pour ça que le ministre de l'économie, l'autre jour, il pavoisait, il disait « Ouais, super, les gens, on a un super PIB !» Bah oui, parce qu'à mon avis, on peut penser que ça les arrange, hein, de laisser courir le trafic de drogue, de laisser courir le trafic d'armes et la prostitution, on peut penser que ça les arrange, parce que ça fait un bon PIB, t'as vu un peu? L'arnaque du siècle. Je comprenais pas encore, je me suis dit, merde, c'est bizarre, comment ça se fait que le gouvernement, il lutte pas plus contre le trafic d'armes et contre le trafic de drogue? Bah mon con, c'est parce que ça comptabilisé dans le PIB maintenant. Donc on est des bons élèves en France, t'as vu? Wouh, on a fait des... Parce que, regarde, c'est marqué, hein. Il considère en effet que ces activités créent de la richesse dans ces pays, voilà. Donc ne t'étonne pas maintenant de voir qu'il laisse tranquille les trafiquants de drogue et les dealers en bas de chez toi, en bas de ton immeuble. Bah c'est normal, parce que ça compte dans le PIB. Comme ça, ils auront des bonnes notes, tu vois, quand ils iront au conseil de classe là, avec leur carnet de correspondance, tous ces gens-là, là, bah, ils auront des bonnes notes par l'Union européenne. Ils vont avoir des bons points. Ah, les amis, c'est vrai quand même quelque chose, cette histoire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du degré hein, de connerie de ce pays, quoi. On compte le trafic de drogue dans le PIB. Mais c'est fou, hein, quand même.